Bonjour Bridget. Bonjour Anan. Bienvenue. Hello Jerry. Merci. Merci beaucoup. Good morning Bridget. Good morning Jerry. How are you doing? I'm very fine. I'm going to ask you a question. Okay. What does Uzezi mean? Your name, means your middle name. Good favor. Good favor. Oh, it's such a lovely name. That you know? Means that every is time you call my name, it means that I'm blessed. Oh, that's nice. Is it Yoruba? No. What? No, Isoko. Isoko from Nigeria. From Nigeria. Great. Yes. Good favor. I'm favored this morning. Okay, so what are we discussing this morning on the travel segment? Alors aujourd'hui, on va parler de la Gambie. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Gambie ces derniers jours, puisque cette année marque le premier anniversaire de la victoire d'Adama Barrow lors de la présidentielle. C'était le 2 décembre dernier, donc c'est une victoire qui a signé la fin du règne de Yahya Jammeh, qui a tout de même gouverné pendant 22 ans, et le début d'une nouvelle ère pour la Gambie, notamment dans le domaine du tourisme. Alors c'est vrai que la saison passée avait été avortée à cause de cette crise politique, justement, qui avait fait fuir les touristes. Alors autant vous dire que cette saison, qui a déjà débuté, on est en plein dedans, est vital pour le secteur. Mais la Gambie semble déjà reprendre du poil de la bête avec notamment des touristes d'un genre bien particulier. C'est ce que nous explique Banka Mané, c'est un agent touristique. On va l'écouter. Nous avons beaucoup de Gambiens qui voyagent enfin en Gambie. Ce sont des expatriés, la diaspora gambienne qui ne vit pas en Gambie, mais pour la première fois, pour un grand nombre d'entre eux, après 20 ans, 15 ans, 10 ans, ils rentrent en Gambie pour les vacances. Et ce mois de décembre en particulier, nous voyons des chiffres que nous n'avions jamais vus auparavant. Qu'ils viennent d'Europe, des États-Unis ou d'ailleurs, le nombre de Gambiens qui arrivent est incroyable, c'est sans précédent. Parce que les années de brutalité de Jammeh étaient telles qu'il était impossible pour la plupart d'entre eux de rentrer. Alors la Gambie a de nombreux attraits touristiques, à commencer par ses plages qui sont vraiment magnifiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une partie historique qui retrace un peu le passé colonial du pays. Par exemple, l'île de James, plus connue sous le nom de l'île Kunta Kinte, en hommage au héros de Racine, hein, le roman de Alex Haley que certains d'entre nous avons plutôt découvert à travers la série télévisée Racine. Et puis l'île est d'ailleurs entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003. Il y a aussi plein d'autres activités comme le saut en parachute, la pêche, les balades en pirogue et puis très prisée par les touristes, c'est l'observation des oiseaux et des chimpanzés en pleine nature. Il y a aussi un autre aspect, c'est la réconciliation avec le Sénégal, un pays voisin, qui a vraiment créé de nouvelles opportunités touristiques, notamment pour les tours opérateurs. J'ai pu parler à Yasamine Demba, c'est une jeune Gambienne, et à travers son agence Explore Gambia, elle met en avant le patrimoine touristique du pays. Écoutez-la. Au cours de la dernière année, nous avons constaté tellement plus d'améliorations concernant la relation et la connexion avec le Sénégal. Nous partageons un nouveau ferry qui a amélioré de toute évidence la connexion à travers le fleuve pour allier le Sénégal. Les routes ont été modernisées et améliorées, ce qui facilite grandement le passage vers le Sénégal. Alors que dans le passé, nous proposions des excursions pour le week-end au Sénégal, nous pouvons maintenant offrir des excursions d'une journée grâce à la connectivité qui a vraiment été améliorée. Les gens aiment faire des safaris, ils aiment découvrir la faune et explorer les villages qui longent la route jusqu'au Sénégal. Alors oui, cette relation est très importante, elle a été renforcée et continuera de l'être. Alors un signe que la Gambie est sur la bonne voie, c'est le retour des investisseurs et des entreprises étrangères. Avec l'exemple de cet homme d'affaires gambien, il s'appelle Sainé Mané. Il était expatrié en Europe depuis de nombreuses années, puis il a décidé de rentrer pour apporter lui aussi sa pierre à l'édifice, littéralement, puisqu'il a construit un hôtel 5 étoiles à Bidjilo. C'est une station balnéaire de la côte ouest du pays. Alors l'établissement est entièrement alimenté à l'énergie solaire. Il semble bien que l'écotourisme pourrait représenter aussi une alternative juteuse pour la Gambie, mais ça c'est une autre histoire. Je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Et puis rapidement, avant de terminer, j'ai une devinette pour vous. Je vais vous montrer une photo et à vous de me dire dans quel pays nous sommes. Regardez. Alors vous n'avez pas une réponse. Hein. Ouh là là, that's a tough one, isn't it? Okay, right, so is it about where it is or where it is, where it you is. Have to guess the country. No, you have to guess the country. And you have only one guess, Jerry. One guess. Go ahead first, start. Gambia, of course. We're talking Gambia today, right? Parle de la Gambie? That's too easy. Wait, there's a couple of pictures. I want to say Zimbabwe, but I'm not we sure. We are in Nigeria. Oh my God. Nous Nous sommes au Nigeria. Nous sommes au Nigeria. It's a shame for you, Jerry. Shame on you, Jerry. Because you talked a good game in the beginning of the show. Okay. Donc nous sommes au Nigeria. Oui, je sais que ça peut surprendre puisque le Nigeria est encore souvent décrit comme un pays où règne un peu le chaos, l'insécurité. Eh bien voilà, il existe encore des pépites comme ça, hein, donc comme ce complexe hôtelier d'Obudu Mountain.
Ça se trouve à Calabar, c'est dans l'état de Cross River, à la frontière avec le Cameroun. Et c'est comme ça, niché au milieu des collines, avec ce restaurant en plein air qu'on peut voir. Et puis, il y a aussi un téléphérique qui a la réputation d'être le plus long du monde. Alors voilà, tout ça pour vous dire que loin de l'image parfois privilégiée par les médias, le Nigeria, comme d'autres pays africains, regorge de lieux atypiques, plein de charmes qui feraient sûrement votre bonheur si seulement vous osiez vous y aventurer. Ah, quel beau conseil, oui, Bridget. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur les antennes d'Africa News. Je suis Bridget Huguet.